Wesh les gars, quoi, c'est la Couplong. Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo, pour vous montrer en gros mes touches, mes paramètres graphiques, etc, etc. Donc voilà, en gros, comment je joue et tout. Enfin, je vais vous montrer mes touches et tout. Voilà comment je construis, etc. Donc mes touches personnelles et tout. Donc voilà. Et aussi vous montrer aussi quelques paramètres qui permet un peu d'améliorer votre gameplay, on va dire. Enfin, tu vois le truc ou pas? Enfin, un peu. En gros, pour que ça soit bien, que votre gameplay soit bien. Putain, j'arrive pas à parler, je vais me réveiller. Pour que votre gameplay soit bien. Ah ouais, il y en a aussi, ils m'ont dit, ouais, pourquoi t'as enlevé tes locks? Vous inquiétez pas, les gars, j'ai pas enlevé mes locks. Enfin, si, je les ai enlevés, mais je vais les recommencer. Parce que, en gros, quand j'avais fait mes locks, j'étais pas trop satisfait, tu vois. Alors, du coup, je les ai enlevés, retirés, et je vais les recommencer, mes locks. Ne vous inquiétez pas, les gars. Et puis voilà, bref. Donc, en gros, on va aller dans les paramètres. Et merci pour les 224 abonnés. On monte super vite en abonnés, c'est un truc de ouf. Il y a même pas une semaine, je vais d'avoir mes 200 abonnés là. On est déjà à 224 abonnés et ça fait super plaisir. Donc, voilà, bref. Donc, je vais vous montrer les paramètres. Donc voilà, donc déjà là nous allons commencer par l'affichage, etc, les graphismes, etc. Donc là on est mode d'affichage, j'ai mis en plein écran bien sûr, ce qui est normal. Enfin, je vais pas jouer en fenêtré, ça pue la merde en fenêtré, c'est mieux en plein écran, tu vois, voilà. Et résolution d'affichage, je joue en 16:10. Là je suis en train de faire tout pour jouer en 4 tiers, mais je sais pas pourquoi mon écran ne le permet pas que je joue en 4 tiers. Je ne sais pas pourquoi, ça me casse les couilles, parce qu'en 4 tiers en gros vous êtes avantagé, tu vois. Mais en 16:10, tu vois, c'est pas trop avantagé, tu vois. Et en 16:9 aussi. Enfin, genre en 4 tiers t'as un meilleur shoot. Enfin, tu vois, la vue elle est meilleure, tu vois. Genre tu. T'es avantagé quoi pour le shoot, etc, etc, tu vois. Donc en gros c'est ça. Donc ouais. Donc moi je joue en 16:10, 1680 × 1050. Taux de rafraîchissement, en gros ça c'est les FPS, je joue en illimité, je mets FPS en illimité, voilà. Résolution 3D, 1680 × 1050, donc voilà. Et la qualité, ici en gros j'ai mis tout en faible et résolution 3D à fond, donc voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que par exemple les joueurs qui build fight, etc, tu vois, qui build et tout, ben si on met en épique, tu vois, en gros ça sera moche, tu vois, genre pour build fight et tout, ça sera moche, ça sera pas fluide, tu vois le truc ou pas. Enfin, après ça dépend aussi des PC, tu vois. T'en as ils ont des i9, des GTX 1080, même il y en a qui ont même la nouvelle GTX, tu vois. Enfin, alors eux ils peuvent se le permettre de mettre en épique et tout pour build fight et tout, tu vois. Mais pour ceux qui ont des cartes graphiques et des processeurs moyens comme moi, mon processeur c'est un i5 et ma carte graphique c'est une GTX 1060, tu vois, pour build fight vaut mieux mettre tout en faible, tu vois le truc ou pas. Voilà, vaut mieux mettre tout en faible, faire tout sort proche, sort faible, pour avoir une meilleure fluidité quand tu build fight, tu vois le truc ou pas. Voilà, mais ça veut pas dire, mais attention, c'est pas parce que je mets en épique que ça veut pas dire que mon PC il va pas tourner. Mon PC il va tourner, tu vois, mais je veux dire pour build fight ça sera pas pratique. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Ouais, désolé, j'arrive pas trop à parler, je vais me réveiller. Synchronisation verticale, j'ai mis non, ça j'aime pas ce que c'est en vrai, les gars, je vais pas faire le mec. Effet de déchirement horizontal, bah, bref, j'aime pas ce que c'est. Flou de mouvement, j'ai mis non, parce que tu sais, flou de mouvement, tu vois, quand tu bouges, il y a un petit flou comme ça, c'est désagréable, tu vois. Affichage des IPS, affichage des FPS, les images par seconde. Oui, donc c'est ça, par exemple, je suis à 230 images par seconde, bah, bref. Donc voilà, donc c'est ça les FPS, les IPS. FPS, IPS, c'est pareil, hein. Maintenant, nous allons aller dans les paramètres normaux. Donc voilà, français, langue français, région de matchmaking, Europe. Voilà. What the fuck, 47 ms, ça va, c'était à 35 ms ou 24, un truc comme ça. Ouais, bref. What, attends, il t'a marqué quoi? Ok. Sensibilité de la souris, j'ai mis à 100. Sensibilité de la souris X, j'ai mis 100. Enfin, 1 si vous voulez. Voilà, 0.6, enfin vraiment moi je dis 100, je vais pas commencer à dire 1,00. Sensibilité Y de la souris, j'ai mis 100 aussi, donc voilà, ma sensibilité de la souris, elle est à 100. Sensibilité de la manette, ben moi je joue pas manette. Sensibilité de visée souris, j'ai mis 45. Bon, après ça, maintenant il n'y a pas de meilleurs paramètres et tout, ça c'est selon vous, tu vois, c'est selon comment vous jouez, tu vois, selon vous. Ça c'est, il n'y a pas de recommandation, je peux pas vous recommander mettez la sensibilité à 0,58, fait, tu vois, ça c'est selon vous, ça c'est vous qui décidez ça, tu vois. Donc la sensibilité visée souris, j'ai mis 45. Sensibilité lunette souris, j'ai mis 45. Multiplicateur visée manette, ça j'aime pas ce que c'est, moi je joue pas sur manette.
ça c'est peut-être construction manette, ouais, moi je suis pas sur manette. Inverser la caméra, non. Inverser le contrôle en avion, non. Oui, enfin voilà. Ben bref, je sais pas ce que c'est, frère. Inverser le... Bon, ça on s'en bat les couilles, ça, on s'en fout. Caméra, affichage, échelle de l'interface, ça on s'en fout. Sprinter par défaut, non, tu vois. Enfin bon, ça on s'en bat les couilles, ça on s'en bat les couilles. Durée de pression pour modifier, bon, en fait, plus vous mettez bas, plus ça sera rapide, la durée de pression pour modifier. Mais je pense que ça, c'est que pour manette, t'as vu? Je pense que ça marche que pour les manettes, tu vois. Mais bon, je suis pas sûr, tu vois. Avant, ma durée, elle était à 15, tu vois. Après, je me suis dit, what the fuck, frère, je vais mettre à 10, tu vois, le truc ou pas. Voilà. Nvidia Highlight, enfin, ça, c'est rien. Vibration, non, enfin bon, voilà, ça on s'en bat les couilles. Donc voilà, vous avez un peu vu ma sensibilité, etc, etc. Ma souris, je sais pas, elle est à combien de... Comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié le truc. Ah, bref, je sais pas, elle est à combien de... Est-ce que tu sais, il y a un truc de vitesse de la souris, je sais plus comment ça s'appelle. Volume de la musique, bon, ça on s'en bat les couilles, hein. Parler, oui, t'as des tifs, ça on s'en fout. Mode daltonien, tritanopie, ouais, ça on s'en bat les couilles, ça. Je sais pas ce que ça sert à quoi. Donc voilà, donc le plus important, les gars, ce que vous attendez tous, c'est les commandes. Voilà, les commandes. Bon, pour avancer, reculer, etc. Ça c'est là-bas, ça c'est normalement ce que tous les joueurs ont, hein, ZQSD normalement. À part s'il y en a qui sont des imbéciles, des enfants de Jésus, qui vont mettre des, je sais pas, frère, qui vont avancer avec les flèches, frère. Non, avancer Z, Q, aller à gauche, S, aller à droite, E, S, reculer, aller à droite, D, sauter espace, comme beaucoup de joueurs, enfin, comme quasiment tous les joueurs font, hein, j'espère en tout cas. Sprinter, Alt, gauche, donc voilà, donc sprinter c'est... Alt, tu sais, à côté de l'espace, la touche à côté de l'espace, donc voilà. Donc, à mon avis, je vais vous mettre un clavier, fait dans le montage, fait dans le... Vous inquiétez pas. Course auto, donc course auto, c'est cette touche-là, course auto. Ouais, j'ai un clavier pourri, je sais bien, les gars. Hein. Ah merde, je saurais pas vous montrer, vu que le clavier, il est... Et bref, là, je saurais pas vous montrer. S'accroupir, contrôle CTRL, s'accroupir. Tirer, ben voilà, souris, bouton gauche de la souris. Viser, bouton droit, ce qui est normal. Recharger, c'est... attends, recharger, c'est bouton... C'est une demi-touche de la souris, c'est cette touche ici, recharger. F, c'est pour utiliser, genre, le coffre et tout, fouiller F, ramasser F, tu vois, c'est ça. Outil de collecte, c'est A. What? A, c'est... Merde. Désolé, les gars, désolé. Putain, on est tout le temps en train de marceler, c'est un truc de ouf. Il dit imbécile. Attendez. Tac, tac. Donc, ouais. Donc, c'est pour arme 1, donc pour choisir la première arme. R, c'est pour la deuxième arme. Arme 3, c'est la touche 3. Enfin, là, elle est marquée guillemets, mais c'est la touche 3 de mon clavier. Arme 4, c'est ben, l'apostrophe, c'est le 4, le numéro 4. Arme 5, c'est le numéro 5. Voilà. Placer marqueur. Ça, je sais pas ce que c'est. What the fuck? Bouton du milieu de la souris. Cette option vous permet de modifier l'attribut des touches. Ok, frère. S'accroupir en construisant. Ben, c'était RL toujours. Mur. Bon, voilà. Le plus important, c'est la construction maintenant. Bon, moi pour la construction, j'ai pas de touche de ma souris. J'ai pas de touche de ma souris. C'est que dans le clavier. Tout est dans le clavier. Le seul touche de ma souris, c'est ben, la base visée, etc. Et recherche, c'est tout. Mais sinon, construction, j'ai pas de truc dans ma souris. Bon, mur, c'est W. X, c'est. Sol, c'est X. Escalier, c'est C. Et toi, c'est V. Donc pour moi, ces touches-là, elles sont faciles parce qu'en fait, ça suit, tu vois. Parce que après W, c'est X. Après X, c'est C. Après C, c'est V. Enfin, tu vois, c'est facile pour moi, tu vois. T'as juste à faire tac, 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 tu vois. Après, il y en a, ils trouvent ça compliqué, mais bon. Après, bon, voilà, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, comment dire. Piège, S pur luette, ça, c'est numéro 1. Le chiffre 1. Pas le chiffre 1, enfin le chiffre 1 qui est juste en haut des AZERT, enfin tu vois de AZERTY. Placer la structure, bouton gauche de la souris, hein, pour placer, mettre le mur quoi. Réparer, améliorer, j'ai pas, puis, what, j'ai pas. Ah là, si c'est bouton de la souris, c'est ça pour réparer, c'est ça, la molette là. Changer de matériau, molette de la souris. What the fuck? Ben non, changer de matériau. Ah ouais, c'est vrai, mais bon, moi j'utilise pas la molette. Et bien sûr, moi je change de matériau directement sur le clavier. Sélectionner la modif, bouton gauche de la souris. Réinitialiser, modifier la construction, c'est G. Sélectionner la modif, c'est le bouton gauche de la souris. Réinitialiser la structure, c'est le bouton du milieu de la souris. Ouais, réinitialiser, c'est ça, voilà la molette. Sélecteur, placeur de piège, P. What? Ben non, c'est pas P. Ah bref, alterner les raccourcis, what the fuck, ça je sais pas ce que c'est. Sortie du véhicule, ben voilà, c'est F, donc F utilisé. Chargeur de place dans le véhicule,
c'était réel gauche, klaxon du véhicule, bouton droit de la souris, pencher vers l'avant, S, pencher vers l'arrière, W, voilà, ça c'est les trucs de la souris, de la voiture, mais ça, on s'en va les couilles. Donc voilà les gars, voilà, donc vous avez vu mes touches et puis voilà, mes paramètres graphiques, voilà, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et puis voilà quoi, la sensibilité, donc voilà, maintenant vous connaissez mes touches, etc. Là, il n'y aura plus de secret pour vous. Là, vous n'allez pas me dire, c'est quoi tes couches? Là, il n'y a plus de secret, c'est bon, hein? Il m'en reste déjà 1 sur 3. What the fuck? Donc, j'ai utilisé 2 fois, mais... Oh, ok. J'ai remboursé 2 fois, ok. Donc, voilà, les gars, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, par le sel, vous abonner à la chaîne pour savoir quand je sors la prochaine vidéo. Tout en vous joignant à la coupe longue, les gars. Ciao, les potos. Merci à vous.